Salut à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Gym Tonic avec caractère. Les Aiglons ont repris leur marche en avant contre Reims. Il reste deux matchs avant la trêve pour rester accroché à cette deuxième place au classement. Au casting aujourd'hui, l'équipe du service des sports de Nice Matin avec William Mbercé, de bonne humeur. Salut mon Will. Salut Mika, bonjour à tous. Christopher Roune, bonne humeur communicative. Salut Christopher. Exactement, salut à tous, salut Mika. Et le chef, la légende de Big Boss, Philippe Tantz. Sérieux, toujours sérieux. Ouais, lui, il rigole pas, non, le chef. Fait. Allez, notre invité cette semaine a porté les couleurs rouge et noir au début des années 2000 et puis à la fin de ces années 2000, Patrick Barulle est notre invité. Salut Patrick. Salut à tous. Merci d'être avec nous sur le plateau de Gym Tonic. On va revenir avec toi sur ta carrière, évidemment, tes passages à Lens et à Cannes et puis effectivement ton passage à l'OGC Nice. Alors, au sommaire de cette émission, nous reviendrons sur le duo Laborde-Boga, à nouveau décisif face à Reims. Farioli a-t-il trouvé son attaque titulaire? Ce sera le pour-contre de cette semaine. Nous ferons aussi un focus sur Melvin Barre, désigné Aiglon de novembre. Et nous évoquerons bien sûr le déplacement samedi au Havre. Moins rocambolesque, on l'espère, que celui d'avril 2002 que Philippe évoquera en fin d'émission dans le Souviens-toi. On démarre ce Gymto avec ce succès donc 2-1 dimanche contre Reims. Will, une victoire, on l'a dit, avec beaucoup de caractère de la part des Aiglons. Beaucoup de caractère et somme toute logique sur la physionomie de la partie, avec une première mi-temps où il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain, l'OGC Nice, qui a été chercher très haut son adversaire, qui a récupéré plusieurs ballons dans le camp adverse, qui s'est créé des situations grâce à ses récupérations hautes, mais qui a été inefficace, maladroit. Notamment Gaëtan Laborde, on sentait un peu des attaquants en manque de confiance, et finalement sur la deuxième période où c'était un peu plus équilibré, Reims est enfin sorti de son camp, l'OGC Nice est allé enfin trouver le chemin défilé, et puis c'est vrai qu'ils ont fait preuve d'un énorme caractère pour aller chercher la victoire après l'égalisation rémoise, et d'une belle manière. Il y a eu des bonnes choses outre ce but, il y a eu là encore une très bonne entrée d'Evan Guessant. Vraiment c'est un résultat logique et qui montre que l'OGC Nice, malgré sa défaite à Nantes, n'était pas sorti de son projet de jeu, de son style, et qui continue son beau chemin en haut du classement. Allez, on va regarder les stats de cette rencontre entre Nice et Reims. Une domination, effectivement, au niveau de la possession, légère domination au niveau de la possession et des tirs, y compris des tirs cadrés dans cette rencontre. Également sur le nombre de ballons touchés dans la surface de réparation. Un peu plus d'occasions manquées peut-être du côté de Reims, qui a effectivement touché le poteau aussi. Il faut s'en souvenir dans cette rencontre. Patrick, tu suis un petit peu, bien sûr, l'évolution de cette équipe de l'OGC Nice, l'avoir à la deuxième place du classement. C'est une surprise pour toi? Une surprise, non, puisque, comment dirais-je, Ineos a mis les moyens et a affiché ses ambitions quand ils ont pris le club. Donc c'est sur la continuité et la continuité du début de saison. Et sincèrement, je les suis et ils font plaisir à voir. Christopher, tu t'es fait la petite séance de rattrapage hein, sur ce... Exactement. sur ce Nice-Reims. Bon, c'est une victoire. Alors, peut-être pas la niçoise cette fois, parce qu'on le disait, voilà. La semaine dernière, ils avaient été menés au score. Ils n'ont pas pu revenir, c'était la première fois. Là, l'égalisation ne les a pas empêchés d'aller vers l'avant. Non, j'ai trouvé cette équipe, comme le disait Will, notamment très très intéressante. Moi, c'est quelque chose qui me marque dans ce gym, c'est cette capacité de récupérer le ballon très très vite, très haut, et après, techniquement, d'être capable de se créer des situations. Parfois, on peut récupérer le ballon et avoir du mal à faire quelque chose avec derrière. Moi, je trouve que cette OGC Nice a quand même de la qualité. Alors, ok, des fois, il y a des joueurs qui peuvent être un petit peu un ton en dessous, notamment au niveau de l'attaque, mais globalement, au milieu, derrière, je trouve que ça combine très très bien. Et c'est rassurant par rapport à ce qu'on peut dire parfois au niveau des critiques sur ce jeu offensif qu'on aimerait plus flamboyant. Je trouve que sur ce match-là, c'est quand même loin d'être le plus mauvais match de cette saison pour Nice. Je ne les ai pas tous vus, bien sûr, mais globalement, j'ai trouvé ça très, très, très correct, quoi. Après la défaite contre Toulouse, Philippe, est-ce que le gym avait besoin de se rassurer un petit peu? La défaite contre Toulouse. Nantes. Bah là, ça prouve déjà que tu ne perds pas deux fois d'affilée. Voilà, les grandes équipes ne perdent jamais deux fois d'affilée. C'est ce qu'on dit. Voilà, moi je retiens le caractère, comme tu l'as dit en préambule. Le caractère, parce que première mi-temps, c'était intéressant. Mais c'est vrai qu'au niveau au CAS, le dernier geste, à part d'agrandir les buts, je ne voyais pas comment ils pouvaient marquer. Voilà, en deuxième mi-temps, ils ont su faire ce qu'il fallait.
sont fait égaliser, ils ont été chercher la victoire. Bon. Ouais, c'était pas à faire la fine bouche là. On va pas faire effectivement la fine bouche avec deux joueurs, donc deux buteurs dans cette rencontre, Gaëtan Laborde et Jérémy Boga, à nouveau décisif du côté de l'OGC Nice. Oui, puisqu'on le rappelle, par exemple, Gaëtan Laborde, ça faisait 9 matchs qu'il n'avait plus marqué sous les couleurs niçoises avant ce Nice-Reims. 9 matchs, c'était on avait fait un peu un historique, et ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas connu une aussi longue période de disette, Gaëtan Laborde. Donc on imagine que ça devait un peu peser dans sa tête. Et au final, on le sent sur cette première mi-temps où il ne fait pas toujours les bons choix, à vouloir être trop altruiste presque. Et au final, il marque en allant tout seul au but avec une frappe pleine de caractère, d'autorité elle aussi, ce qui va se ficher sous la barre. Et Jérémy Boga, lui, a été plus heureux. Il fait une bonne première mi-temps, ouais. J'ai trouvé intéressant. Un premier mi-temps où il faisait des différences depuis son côté gauche, où il repiquait dans l'axe. Il a un peu disparu en deuxième. Et finalement, sur encore une action comme il sait le faire, en repiquant, et cette fois depuis l'aile droite et en frappant du gauche, il est bien aidé par la faute de main de Diouf. Mais la chance sourit aux audacieux, et lui a été audacieux sur ce coup-là. Et ça fait plaisir parce que ça faisait 3 matchs qu'il était vraiment absent. Et là, voilà, l'OGC Nice a pu compter sur son trio offensif, parce que même si Mofi ne marque pas, il a été impliqué sur quelques situations aussi. Et on reparlera évidemment de ce trio offensif tout à l'heure dans le pour-compte. Patrick, des attaquants qui doutent, tu as dû en connaître dans ta carrière, évidemment, tu as dû les affronter ou les avoir dans ton équipe. Comment ça se passe la semaine à l'entraînement? Est-ce qu'ils font la gueule, ces attaquants-là, ou ils essayent encore et encore de travailler pour regagner la confiance et le chemin défilé? Un peu des deux. Un attaquant qui marque pas même un match à la sortie, il fait la gueule. Et puis quand il a une longue période de disette, c'est clair qu'il sourit pas trop. Mais les attaquants, ils bossent et après ça ils ont le déclic, ça revient, et puis ça, ils enchaînent les buts de nouveau, quoi. Alors toi, c'était pas trop ton cas être buteur, hein, parce qu'on en parlera tout à l'heure. Pas marqué beaucoup de moi, buts dans ta carrière. Moi, j'ai une période de 10 et tu ne doutes pas par rapport à ça. C'était plutôt normal, presque. Allez, on va écouter Gaëtan Laborde, justement, sur ce retour au premier plan offensif. Il s'exprime devant la caméra de Philippe Bertini. Forcément, c'est embêtant. Hein. Je ne vais pas le cacher, ce qui est normal, hein, pour chaque attaquant. Après voilà, j'ai eu aussi des périodes dans le passé qui étaient similaires. Donc voilà, c'est des moments où on sait d'où on vient, on se replonge dans tout ce qui est simple pour récupérer de la confiance et retrouver les chemins défilés. Voilà, donc Gaëtan Laborde, Christopher, l'OGC Nice va avoir besoin d'un Gaëtan Laborde, et bon, Jérémy Boga, il partira à la CAB, lui, au mois de janvier, normalement, mais d'un Gaëtan Laborde très efficace, justement, sur cette période-là de janvier qui arrive. Ouais, c'est un joueur qui compte 75 buts en 250 matchs de Ligue 1, donc ça veut dire qu'il sait faire mettre des buts. Ce que j'ai aimé, moi, c'est aussi qu'il a fait un énorme travail dans le pressing, il est toujours généreux. Et encore une fois, je pars du principe que quand les joueurs sont généreux, ils sont souvent récompensés. Alors, pas tout le temps, comme lui, ça a été son cas pendant 9 matchs, mais à un moment, ça sourit, ça revient. Là, par exemple, son but, ça vient de quoi? Ça vient d'une erreur défensive de Reims, mais il est bien placé, il est là, il arrive à l'exploiter. Et effectivement, le gym aura besoin de lui, et c'est bien qu'il ait retrouvé la confiance, parce qu'encore une fois, je trouve que c'est quelqu'un qui est cool dans l'état d'esprit. Jérémy Boga, toi, c'est un joueur que tu apprécies. On l'avait dit ici, hein, la semaine dernière, bon, il était un peu dans le dur, Boga, là, même aidé par le gardien, par Diouf, ça peut lui faire du bien quand même sur cette oui. fin d'année. Moi, je suis toujours un peu sur ma faim, parce qu'on m'a vendu un peu un joueur frisson, un joueur, une idole. Voilà, ouais, quand il faut lever les foules. Là, voilà, bien. Donc ouais. Pour l'instant, je suis encore assis, donc j'attends. Voilà, mais au moins, c'est un joueur qui tente, qui provoque, qui a de l'audace, qui essaye, quoi. Donc, puis voilà. Donc, je préfère attendre encore un peu avant de vraiment porter un jugement. Ce que j'ai retenu, moi, c'est justement cette capacité à toujours tenter. Contre Reims, il perd 27 ballons, mais au final, il va tenter une fois encore et ça va marcher. Ce que j'aimerais le voir aussi, c'est peut-être amener plus de variété dans ses dribbles. On l'a vu beaucoup rentrer à l'intérieur. Des fois, je me dis, il pourrait rentrer un peu plus, longer la ligne, tenter davantage, ou même carrément permuter de côté avec Mofi pour créer un peu de l'incertitude chez les adversaires. Ça, on ne l'a pas trop vu. Et son but, justement, vient du fait qu'il tire un corner à droite
et qui vient après se confronter un peu aux joueurs de couloir à gauche de Reims, je me dis ça peut être parfois aussi quelque chose qui peut amener de la variété pour lui et qui peut aussi créer du danger et lui amener des stats, quoi. Alors peut-être que Mofi, Boga, enfin Mofi à droite déjà, c'est tout nouveau pour lui. Changer peut-être du pied gauche, ça serait peut-être un peu plus manière, compliqué. De manière, tu vois, occasionnelle. Ponctuelle, ouais. Ponctuelle pendant le match, sur 10-15 minutes pour essayer de voir si... À un moment, déstabiliser ça peut déstabiliser la défense adverse. La défense adverse, effectivement. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur Jérémy Boga et Gaëtan Laborde. Alors, autre fait marquant de cette rencontre, c'est plutôt l'après-match, hein, avec quelques déclarations de la part de Will Steele. Et on sait pas, on n'a pas pu s'empêcher un petit peu de décrypter tout ça du côté de Jim Tonic. Et on va voir cette déclaration hein, qui n'a pas plu à tout le monde. Et Will, tu vas nous en parler après, derrière. C'était chez nos confrères d'Amazon. Quand tu marques un but, ne viens pas me narguer parce que j'ai juste envie de te frapper. Alors, ce sont des mots assez quand même forts de la part de Will Steele, à la limite un peu même choquant. Quand je célèbre, je le fais de l'autre côté des bancs. J'essaie de rester tranquille parce qu'il y a beaucoup d'émotions, mais ça ne vient pas vers chez nous. Je ne trouve pas ça nécessaire. Dans un premier temps, il visait Francesco Farioli, hein, Will Steele. Ouais, il ne le cible pas tout de suite, mais c'est dans un deuxième temps qu'il fait un parallèle assez rapide et qu'on comprend qu'il est en train de s'adresser à Francesco Farioli. Alors, du côté de Nice, on a été plus que surpris. Certaines personnes ont été même énervées par ces propos de Will Steele, parce que la menace de dire « je vais te frapper », c'est quand même assez insolent et même très déplacé. Et pour la petite anecdote, Will Steele avait même déjà commencé à agacer les Niçois avant la rencontre. Sa petite phrase pour dire ben, on va aller à Nice, on va leur mettre 6-0, même si c'était sous le ton de l'humour, ça n'a pas plu. Alors il pratique beaucoup l'humour, hein, Will Steele, ouais, le second degré. Pas forcément marrant. Ouais. Voilà. Et je trouve qu'il a fait un peu preuve d'arrogance en fait, au final en venant à Nice. Alors est-ce que j'imagine que l'année dernière c'était un peu la hype Will Steele avec Didier Digard qui étaient les deux entraîneurs les plus jeunes de Ligue 1. Aujourd'hui c'est Francesco Farioli qui attire un peu la lumière. Alors je pense que là Will Steele s'est confronté un peu à celui qui lui faisait un peu d'ombre. Il avait envie de le battre et finalement il est battu. Moi ce que je retire de cette histoire c'est j'ai envie de dire félicitations à Didier Digard qui lui au même âge a fait son petit bonhomme de chemin avec l'OGC Nice et a su rester humble, modeste à sa place. Quand je vois Will Steele qui aujourd'hui s'estime courtisé de partout, bon, faut raison garder. On va reparler de ça effectivement. On va voir l'image quand même malgré tout du deuxième but niçois. C'est nos confrères de OGC Nice TV qui ont entouré de blanc et eh bien Francesco Farioli sur le but et on voit que Francesco Farioli est bien loin du banc de Will Steele du côté droit de la zone technique, même si au début de l'image, si on pourra la recaser à un moment donné, il y a quand même, parce qu'il faut quand même être complètement complet sur ça, quelqu'un qui sort du banc de l'OGC Nice et qui se dirige un tout petit peu sur le côté gauche du banc et qui va donc peut-être un peu provoquer le banc de Reims. Oui, parce qu'on le voit, il sort en fait au tout début vers le banc rémois et il fait un petit geste, je sais pas, et en fait on voit que c'est Will Steele est en train de regarder vers là. Et c'est pour ça que sur la continuité de la vidéo, Will Steele doucement se rapproche du banc niçois. Mais de là en faire tout ce pataquès. Ouais, c'est le moment en fait du match où il y a de la tension. Pour moi, c'est voilà, faut passer à autre chose, c'est oublié. Autant demain, Farioli agacera aussi un entraîneur adverse parce que son équipe aura marqué et qui s'élaborera. C'est vraiment une, pour moi, une pas vraiment une grande histoire du foot. Enfin, c'est pas très très important. Franchement, il n'y a pas grand-chose à commenter là-dessus. C'est un fait de match, quoi, tout simplement. Bah, oui, et c'est Will Steele qui l'a mis en avant. Will Steele qui, cette semaine, a rencontré les dirigeants de Sunderland, mon cher Philippe. Alors, paraît-il. Voilà, paraît-il, alors qu'il est en poste à Reims. C'est un comportement assez curieux, non, Patrick? Qu'est-ce que tu en penses aussi? Bah ouais, c'est un peu malvenu, quoi. Il est sous contrat, c'est pas trop sympa pour ses employeurs. Donc, il est là et a donné des leçons, mais bon. Hein. Alors cette semaine, et je crois que c'était aujourd'hui en conférence de presse, il a répondu à ça, oui, en disant qu'il avait pris le train pour aller voir sa copine qui habitait à Londres. Voilà. Bon, on n'est peut-être pas obligé de le croire non plus, mais c'est justifié de cette façon-là. Il allait souvent voir sa copine à Londres. Et pour clore le débat sur la rougne de Will Steele, eh bien, on a Francesco Farioli qui lui a répondu en conférence de presse. Sincèrement, non. Il y a plusieurs facteurs. Comme je l'avais dit après le match de Marseille, également après le match de Nantes, nous tous avons une responsabilité dans les mots que nous employons, dans le ton que nous employons.
Je comprends l'émotion en match. Je suis moi-même très sanguin, très enthousiaste sur le bord terrain. Mais il faut savoir prendre une respiration et garder la lucidité. On est des entraîneurs jeunes, mais il faut savoir être lucide. Et je crois que les images ont été parlantes. Sur le premier but, je vais le célébrer du côté opposé au banc rémois. Le deuxième but, je ne l'ai même pas célébré et personne de notre staff n'est sorti de notre zone technique. Donc je pense que les mots qu'il employait étaient un peu injustes. En tout cas, il n'y avait aucune réalité dans ce qu'il a déclaré. Après, ce sont des choses qui arrivent. Encore une fois, ce qui est sur le terrain reste sur le terrain. Et voilà tout. Voilà, pour être tout à fait complet et objectif, il semblerait malgré tout, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'un homme du banc de l'OGC Nice se soit légèrement dirigé en dehors de la zone technique côté gauche, pour en direction, en tous les cas, du banc de Reims, mais en aucun cas, ça n'était Francesco Farioli. Voilà, qui est clair sur ce sujet. On passe au focus de la semaine. Un focus consacré à Melvin Barr qui nous étonne de match en match depuis le début de cette saison. Élu Aiglon de novembre, le latéral gauche. Will, alors on a été les premiers peut-être à le critiquer la saison dernière ici. Et là, force est de constater, c'est qu'il fait une première partie de saison assez exceptionnelle, Melvin Barr. Remarquable. Ce prix du mois de novembre est largement mérité pour tout ce qu'il fait depuis le début de saison et pas seulement en novembre. Franchement, c'est cette capacité à défendre, à être dur sur l'homme, à être dur dans les duels qui est vraiment impressionnante aujourd'hui. Il faut s'accrocher pour pouvoir passer Melvin Barr dans un contre un. Il sort souvent gagnant de ces duels où à l'agressivité, au tampon, il est solide. Et puis même dans les projections, on sent aussi un semblant d'un début de progression dans ses centres. Alors, ils ne sont pas tous parfaits, mais il y en a quelques-uns aujourd'hui qui arrivent dans la bonne zone. Il a été passeur décisif déjà une fois, ce qui lui était très rarement arrivé depuis son arrivée à l'OGC Nice. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans ses prestations de Melvin Barr, c'est le comportement de Romain Perrault, qui lui était arrivé pour soi-disant normalement être titulaire. Et quand on voit les performances de Melvin Barr, ben, on comprend que Romain Perrault ne joue pas. Et Romain, encore un état d'esprit fantastique. Les deux sont comme des copains. Je me souviens encore à Clermont où Perrault avait remplacé Barr à la mi-temps. Et à la fin, ils sont partis tous les deux, bras dessus, bras dessous. Donc c'est un peu tout ça qui fait qu'il y a une vraie belle émulation dans ce couloir gauche. Et que Melvin Barr s'épanouit. Et franchement, ça fait plaisir pour lui parce qu'il avait été en difficulté. Par contre, au niveau de l'état d'esprit, on n'avait jamais rien à lui reprocher. Patrick, tu as suivi un petit peu l'évolution de Melvin Barr entre ces deux saisons. Tu as peut-être dû regarder ses matchs aussi. Est-ce que tu trouves qu'il y a quelque chose qui a changé un petit peu dans son jeu? Déjà, je le connaissais, je le suivais quand il était à Lyon avant de signer à Nice. Et c'est vrai qu'on pouvait un peu rester sur notre faim avec ce joueur. Mais il avait déjà à la base, c'était quand même un bon défenseur. Je trouvais qu'il était bon, tout ça. Où il fallait qu'il s'améliore, c'était dans la projection, dans l'animation, dans le dernier geste. Et là, cette année, il est méconnaissable. Il a une progression. Alors, je ne sais pas, l'entraîneur ou même le travail de l'année dernière. Mais cette année, c'est un joueur complet. C'est un latéral gauche de haut niveau, quoi, vraiment. On va s'enflammer un peu, mais est-ce qu'il n'est pas en train de devenir dans le top 5 là, des latéraux gauche de Ligue 1, Melvin Barr? Ouais, top 5, je pense qu'il peut y être. Ouais. Je pense qu'on peut le glisser là-dedans. Franchement, il l'a dit défensivement, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher aujourd'hui? À l'épaule, il faut se lever tôt, effectivement, pour le bouger. Moi, c'est là où il m'impressionne le plus. Je trouve qu'il a pris une vraie dimension aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les duels, il fait mal, ce qu'on demande aussi à un défenseur. Et dans les relances, il se trompe rarement. Malgré l'effort qu'il vient de faire, de fournir, il a la lucidité aussi derrière, la capacité à répéter les efforts pour donner le bon ballon et permettre à son équipe de ressortir. Mmh. Donc non, franchement, top 5, ouais. Moi, je le mets dedans. Will l'a dit un petit peu, Philippe, c'est vrai que, voilà, peut-être dans le dernier geste, mais ce n'est pas ce que lui demande Farioli, en fait, aujourd'hui. Avant tout, il demande à ses latéraux de défendre, et il le fait plutôt bien, ça. Ouais, mais c'est vrai qu'il commence à faire bien les deux. Donc, c'est... En plus, il y a en ce moment une différence entre les deux côtés. C'est-à-dire qu'il est tellement bon que le gym penche de son côté. Et il est bon, il est vaillant, il est courageux. Enfin, chapeau, hein.
Il fait un début de saison tonitruant. Ouais, et on espère l'avoir bientôt sur le plateau de Gym Tonic. L'invitation a été lancée pour recevoir Melvin Barr. Ça sera certainement en 2024. On va écouter Francesco Farioli. Résume un petit peu ce que tu as dit, Will, à propos donc de Melvin Barr. C'est un ragazzo che ovviamente nel prima di venire qua avevo visto tante immagini, tante clip, avevo en arrivant, j'avais vu des images de lui. Je voulais en savoir plus, il y avait des points que je trouvais excellents, d'autres points qui me plaisaient un peu moins. Et au début, il a peut-être un peu du mal à comprendre quelles étaient nos exigences. Et on sait à quel point le poste de latéral droit est un poste important et sensible. Et il a su conquérir la confiance, d'abord sa confiance à lui-même. Et ensuite, il a fait une série de matchs et une qualité qui est, je crois, visible de tous, notamment par rapport à son apport défensif, mais également sa capacité à gagner les duels, son niveau sur les 1 contre 1. J'espère que c'est quelque chose qui le rend fier et qui va pouvoir continuer comme ça. Je voudrais aussi souligner l'apport de Romain Perrault quand il entre sur le terrain, mais aussi tout son travail dans la semaine, le niveau de concurrence qu'il met à ce poste. Et c'est ça aussi qui permet à Melvin de pas tomber dans un certain confort. Et d'ailleurs, Romain est un joueur que je n'ai peut-être pas assez utilisé par rapport à ce qu'il mérite. Et en tout cas, Melvin lui doit beaucoup. L'apport de nos deux latéraux droits, en tout cas, est vraiment une source de satisfaction. Et en tout cas, le prix est mérité pour Melvin et il revient aussi au travail de Romain. Ouais, petite erreur du traducteur, c'est bien les deux latéraux gauches hein, dont on parle effectivement entre Melvin Barr et Romain Perrault. Déclaration plutôt honnête hein, de la part de Francesco Farioli. Ouais, ça c'est lui aussi, il pratique pas trop la langue de bois. Farioli dit et là il le dit, il avait des doutes. Il, en privé, on avait récolté un peu déjà ce genre d'infos aussi. Et Melvin Barr a su le convaincre et surtout dans sa justesse technique dans la relance, parce que Farioli demande aux latéraux de rentrer plutôt à l'intérieur comme des 6 dans la construction et Melvin le fait très bien, il est juste techniquement avec ce petit sombrero subtil sur Thomas ce week-end. C'était du beau football, ça. Du beau football. Allez, du beau football, c'est peut-être celui pratiqué, peut-être pas encore, par nos attaquants du côté de l'OGC Nice. C'est le pour-contre de cette semaine. Mofi à droite, Laborde dans l'axe, Boga à gauche. Est-ce que Francesco Farioli a enfin trouvé la bonne formule avec ses 3 joueurs de l'attaque? C'est la question qu'on se pose cette semaine et c'est à toi, Christopher, d'y répondre d'abord. Eh ben moi, je vais dire oui. Je vais dire oui parce que j'ai trouvé que Boga, déjà, avait touché beaucoup plus de ballons que par le passé. C'est un garçon, j'ai regardé un peu les stats. Il est des fois à 28-29 ballons, il en a touché une 60aine, ce qui est très rare pour lui. Maintenant, il va falloir qu'il enchaîne. Donc je trouve que déjà, on l'a trouvé plus facilement avec cette animation-là peut-être. Et après, j'ai trouvé aussi, même s'il y a eu de la maladresse, que Mofi et Laborde se sont cherchés. Autre point qui m'a plu, c'est que je trouve Laborde plus efficace aussi dans le pressing. Je trouve qu'il a cette agressivité naturelle qu'a peut-être moins Mofi. Alors après, forcément, on perd dans le couloir aussi sur le plan défensif avec Mofi qui doit être très concentré et faire le boulot aussi pour fermer le couloir. Après, on peut aussi avancer l'argument de Mofi se créera moins d'occasions, on le verra moins. Et pareil, je regarde un peu les stats, c'est pas forcément le cas. Des fois, il se crée une ou deux situations en étant en pointe. Là, il a tiré 4 fois à Nantes. Il a encore tiré 2 fois ce week-end. Donc, on peut aussi utiliser derrière les latéraux, dans la profondeur. Donc, là aussi, on peut utiliser ses qualités. Donc, pour moi, je pense que c'est peut-être avec un mercato qui ne devrait pas amener de pointure, où il pourra être peut-être plus à même d'en parler, étant donné qu'il les suit au quotidien. Mais je trouve que c'est peut-être l'animation la plus juste, au final, peut-être pour ce gym. William. Moi, je serais plus mesuré, pondéré en disant peut-être, parce qu'il y a du mieux, mais il n'y a pas non plus... C'est pas un pour peut-être. Hein. Non, c'est mais un c'est un contre. c'est un contre. Parce que pour moi, aujourd'hui, celui qui me convainc le plus en neuf, dans ce jeu de but, dans ce jeu de remise, dans ce jeu de conservation de ballon, c'est Evan Guessant. Donc aujourd'hui, Guessant n'a pas sa place dans ce trio-là. J'étais d'accord aussi avec Philippe, avec qui on en a parlé en off. C'est vrai que Guessant fait de meilleures entrées que quand il démarre. Mais je me souviens qu'à Lorient, il avait démarré et il avait plutôt fait une bonne prestation, un peu moins bien à Nantes. Mais ça reste quand même pour moi le plus convaincant dans l'axe. Même Gaëtan Laborde a été très bon dans le pressing, mais il est un peu moins habile pour conserver le ballon avec, en Ligue
Ligue 1, c'est très difficile d'être neuf quand tu as toujours des beaux bébés derrière toi. Les défenseurs centraux sont souvent très costauds en Ligue 1. C'était encore le cas de Reims avec Abdelhamid, avec Agbadou. Il y avait évidemment de beaux bébés et je trouve que c'est toujours Guessant qui s'en sort le mieux au final. Donc tant qu'il n'y a pas Guessant dans ce trio-là, tant que vraiment il n'y a pas un avant-centre qui me convainc plus qu'Evan, le logiciste n'a pas trouvé son attaque type. Tu mettrais qui à la place de... Tu mettras à la place de qui Guessant toi aujourd'hui? C'est compliqué, mais pour moi, je préfère Mofi, Guessant, Boga. D'accord. Et Laborde Et Laborde en super sub. Bon, c'est quelque chose que de toute façon, l'OGC Nice ne pourra pas tester beaucoup au mois de janvier parce qu'on a dit qu'il y aura la Coupe d'Afrique des Nations. Patrick, voilà, on sait Mofi, plutôt un joueur d'axe. Il se décale côté droit. Bon, il arrive à s'en sortir. Laborde, qui était plus un joueur d'axe, qui était côté droit en début de saison, c'était un peu plus compliqué. Le principal, c'est d'avoir des attaquants complémentaires au final. Bah oui, c'est ça. Peu importe où ils jouent, il faut qu'ils soient complémentaires. Après, le coach, il les voit au quotidien. Il doit tester des formules chaque semaine aux entraînements. Pour lui, c'est la formule du moment. Mais rien ne dit que Nguessant, au prochain match, va être dans l'axe ou Mofi va retrouver l'axe. Pour moi, c'est la formule du moment. Après, ils ont des postes spécifiques. Mofi, pour moi, c'est vraiment un joueur d'axe. Laborde aussi, je l'ai connu, il était axe. Il serait même mieux en deuxième attaquant que côté. Après, c'est la tactique du coach qui fait que. Mais c'est des joueurs de Ligue 1, c'est des joueurs top niveau. Donc, ils savent s'adapter un peu à chaque poste. Quoi. D'ailleurs, Will, puisque Christopher en parlait, pendant la Coupe d'Afrique des Nations, on va se retrouver avec Laborde et Guessant qui vont rester. Sur le côté gauche, ça risque d'être un peu compliqué parce que Diop sera encore peut-être... Jusqu'à mi-janvier au moins. Blessé jusqu'à la mi-janvier, donc c'est pour ça qu'il va peut-être falloir recruter à ce poste-là, tu penses? C'est même une priorité aujourd'hui pour l'OGC Nice. Ils espèrent faire 2-3 recrues cet hiver, et dont un attaquant capable d'évoluer sur les 3 postes offensifs, et notamment à gauche, c'est là où il y aura le plus gros manque, parce que c'est vrai que Diop peut revenir, il y a Claude Maurice qui pourrait aussi peut-être jouer dans ce couloir gauche, mais il n'y a personne qui se dégage vraiment derrière Boga, et Boanani en plus, qui lui aussi sera sur le flanc au moins jusqu'à mi-janvier, donc c'est évident que le Genk cherche un attaquant cet hiver. Une pointure ou plus un joueur capable ça dépendra, de... Ça dépendra des opportunités de marché aussi, d'une et de l'enveloppe d'Ineos 2. Voilà, bon. Philippe, la synthèse de ce que tu as entendu sur ce pour contre. La synthèse, c'est que Nice n'a pas trouvé son attaque. Pour toi? Non. C'est du bricolage. Déjà, je suis d'accord avec Patrick. Pour moi, mon fils, c'est pas un ailier. Bon, il joue sur le côté en ce moment, mais c'est un joueur d'axe. Je le dis sans être... c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais mon fils, c'est un tank. J'ai jamais vu un tank jouer ailier, moi. Mais un tank qui arrive pas à garder les ballons aussi. Ah mais oui, ça, mais bon, Mofi, c'est un joueur d'axe. Alors, est-ce qu'il faut pas... Une fois, je l'ai dit, donc, est-ce qu'il faut pas jouer à deux? Mofi, Laborde. Et puis, jouer différemment au milieu. Bon, mais je sais pas ce qu'il faut faire. Farioli connaît mieux le football que moi. Donc, Tu connais bien, quand même. Non. je connais bien l'attaque Bjekovic, Toko Sanchez. Mofi, Laborde, t'enlèves Boga, quoi. C'est ça le problème. T'enlèves le mec à 18 millions d'euros. Et puis 18 millions d'euros cet été. Non, mais c'est pas que je l'enlève. Mais bon, je sais pas. Mais pour moi, c'est pas. Tu peux pas jouer à notre poste, Boga. Non. Pour moi, c'est pas établi encore. C'est pas marqué. Mais j'ai pas l'impression que Farioli ait envie de changer de système. Même s'il aura des absents, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il a trouvé des. Il a trouvé des solutions. Il a mis Rosario latéral droit, clairement. Enfin. J'ai l'impression que c'est plus les hommes qui changent, mais les systèmes ne changent pas. Donc à partir de là... Enfin, c'est immuable, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est devant que ça ne va pas. Oui, de toute façon, le nombre de buts marqués cette saison confirme un petit peu ce que l'on dit là. Moi, je dis que Mofi va faire mentir Philippe. Et ? Et il va très bien se débrouiller à droite. Donc l'attaque est bien. Non, parce que c'est toujours pas Van Guessant neuf. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire provisoirement sur ce débat autour de l'attaque niçoise. C'est l'heure de l'indiscret.
Il y a un indiscret, mon cher Will, qui concerne notre ami Youssouf Ndaye Chimié. Ouais, notre ami Youssouf qu'on adore, que tout le monde adore sein de l'OGC Nice. Mais la boulette. Mais là, il a fait la boulette. Voilà, là, il a passablement agacé ses dirigeants, son entraîneur, avec ce carton jaune qu'il a été prendre bêtement contre Reims. Et en fait, il était sous la menace d'un sursis, puisque quand il a pris son l'expulsion contre Rennes, il avait hérité de 3 matchs de suspension plus un sursis. Et au final, il fallait donc un sursis, ça dure pendant 10 matchs et au moindre jaune, ça fait sauter le sursis. Mmh. Et c'est ce qu'il a fait. Il a pris le carton jaune qui donc le suspend pour la réception de Lens. Et alors non seulement c'est pour Lens, et en plus ça tombe dans une période où il y a déjà assez d'absents. Donc contre Lens, il n'y aura pas Thuram, il n'y aura pas Youssouf, il n'y aura pas tous les Diop, Buonanni, tout ça. Donc franchement, c'était pas le bon moment. C'était pas le bon moment et on l'a peut-être fait un petit peu sentir. Hein. Oui, ouais. Et en plus, c'était pas le moment parce que c'était juste, c'est pour une embrouille verbale. Ouais, c'est ça. C'est pas une faute, c'est pas dans le jeu. Si c'était dans le jeu, personne ne lui aurait rien reproché. Même s'il avait coupé une contre-attaque, personne ne lui aurait rien dit. Mais prendre un jeune pour ça, c'est pas passé. Ouais, c'est pas passé. Voilà donc pour l'indiscret de cette semaine. C'est l'heure du Zap Gym, les coulisses de l'OGC Nice, captées par les caméras d'OGC Nice TV. Aujourd'hui, on est là avec un groupe de 35 recruteurs de toute l'Europe qui sont là dans le cadre de leur formation sur le scouting. Ce matin, on a eu l'occasion d'échanger avec la direction sportive du club, avec certains des recruteurs. Donc, on a pu parler de méthodologie, on a pu parler de player development. Donc, c'est super intéressant pour tout le monde, à la fois pour nous qui venons découvrir un peu comment fonctionne votre club, et puis aussi dans l'autre sens pour pouvoir échanger sur les méthodologies d'autres pays. On a eu beaucoup de moments d'échange avec les salariés du club, donc on s'est régalé. Ouais. Ancien qui reçoit le trophée a occupé pendant 2 saisons le couloir gauche de la défense rouge et noir, et ce fut un joueur qui s'illustra aussi par son engagement auprès du fonds de dotation. Un tonnerre d'applaudissements, mesdames, messieurs, pour Timothée Kolodziejczak. Un grand plaisir, une fierté, un honneur, voilà, d'avoir porté ces couleurs. Ça fait voilà, toujours des souvenirs dans la tête quand on revient et voilà. Et Virginie Rossetti remet à Jordan, qui va lui-même remettre à Timothée le trophée de l'ancien aiglon. Voilà, magnifique image. C'est vrai que voilà, on a commencé il y a 9 ans maintenant avec Jordan, 9-10 ans, et de remettre ce trophée, c'est un beau clin d'œil. Colo, c'était mon parrain. Je disais que c'était mon chouchou. Ça me fait plaisir en fait. Ça me fait très 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 plaisir de voir. C'est vie, hein. Voilà donc pour ce Zap Gym que vous pouvez retrouver en intégralité sur les supports médias de l'OGC Nice. On voyait Timothée Kolodziejczak se voir décerner le trophée d'ancien aiglon, un trophée que tu as eu, hein, Patrick, toi aussi. Ouais, je l'ai eu l'année dernière, en 2023, contre le match Auxerre, Nice-Auxerre. Ah oui, ça remonte un petit peu. Ouais, la saison de un partout. Ouais. Mmh. Ouais. Ouais, c'est toujours sympa, ce genre de ouais, c'était trophée. Cool, c'était sympa. Tu vas revenir en coupe, alors Nice-Auxerre. Hein. Ouais. 20h45, tiens, c'est l'info qui est tombée samedi. Aujourd'hui, le samedi 6 janvier à 20h45, Nice au Serre à l'Alliance Riviera, 32e de finale de la Coupe de France. Allez, c'est l'heure du tac au tac en compagnie de Patrick Barru. Patrick,
Patrick, donc on va parler un petit peu de ta carrière, et en particulier sous les couleurs de l'OGC Nice, formé à la SCAN, les voisins, les rivaux de l'OGC Nice, mais comme quoi on peut porter et les couleurs de la SCAN et les couleurs de l'OGC Nice. Patrick, tu en es un témoin vivant. Ouais, c'est ça, j'ai fait ma formation et mes débuts en professionnel à la SCAN et la fin de carrière à l'OGC Nice. Mmh. Donc 2002-2003, c'est ta première apparition à Nice, l'année de la montée. C'est ça, j'étais prêté la par Lens, la remontée. Ouais. Et on ne sait pas où on va en début de saison parce que... On ne sait pas si on est en national ou on reste en Ligue 1. Et deux jours avant, on nous dit qu'on est en Ligue 1. Avec une équipe remodelée, on est, je crois, sept joueurs prêtés. Et on fait un début de saison canon. On fait une super année. Et ça reste une de mes saisons préférées. Quoi. Mmh. Et puis, Abouti, pourtant, tu as joué donc à Cannes, hein, 5 saisons du côté de la SCAN en pro. À Lens, évidemment, énormément de saisons. 8 saisons, enfin 7 saisons à Lens avec une du côté de l'OGC Nice. Tu retiens évidemment celle-là en concurrence avec Cédric Varro à l'époque, hein, c'est ouais, ça Alors, quand j'arrive à Nice, c'est sous l'ère Guernot-Ror. Donc, je suis le titulaire. Et au bout de 2 matchs ou 3 matchs, je me blesse. Et Cédric me remplace, enchaîne les matchs et fait des super matchs. Et comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Et bah, il a fait la saison et je suis devenu son... Sa doublure. Sa doublure. Ouais, voilà. Une quinzaine de matchs hein, cette ouais. année-là sous les couleurs de l'OGC Nice pour toi. Tu repars à Lens encore malgré tout. Et là, bon, là, c'est vrai qu'à Lens, tu t'éclates aussi hein, parce qu'il y a la Coupe d'Europe. Parce que... Ouais, à Lens, bah, je m'éclate. Lens, j'ai fait 8 ans, plus 9 ans dans le recrutement. Donc, c'est un peu comme chez moi. Mais je m'éclate, c'était génial. Et puis, je reviens à la fin de mon contrat à Lens. Je signe à Nice sous les ordres de Fred Antonetti, qui me voulait absolument. Mais à mon arrivée à Nice... Ça s'est mal passé avec lui, mais je vous dis que c'était quand même un top coach, mais ça s'est mal passé, voilà, c'est les aléas du football, hein, entraîneur-joueur, et j'en garde aussi des bons souvenirs. Mmh, deux saisons du côté des Aiglons, et donc on en parlait tout à l'heure, la particularité de ta carrière, c'est que malgré tout, tu as marqué, on va dire, allez, un but en Belgique et un seul but en France. Ouais, et en France encore, c'est en Coupe d'Europe. C'est en Coupe d'Europe. Pas de but en Ligue 1 pour ouais. toi. Donc non, j'ai... C'est j'ai, fou ça. Ouais, j'ai touché les poteaux, les barres. Bah après, je montais pas sur coup de pied arrêté, je jouais derrière, donc ça m'enlevait un peu de chance de marquer. Mais ouais, à Lens, ils m'ont surnommé, je sais pas si vous avez connu, oui, les plus anciens, Jimmy Adjovibokic, qui n'a jamais marqué. Et sur son dernier match à Lens, ils lui ont laissé tirer le pénalty. Et le loupe. j'avais un peu ce surnom, voilà. Tu étais le Jimmy Adjovibokic des années 2000, quoi. Ouais, mais heureusement, t'as pas eu de pénalty, toi. Ouais, ouais, voilà. À un moment, c'est devenu une obsession avec justement les blagues des copains, tout ça, de se dire, il faut que je marque, il faut que j'arrive à trouver le chemin des défilés. Et ben, ouais, je me faisais chambrer, mais je me suis même fait... J'avais raconté à Anthony... lors d'une interview, France Football m'appelle un jour. Oui, on fait une interview, on fait un article sur ceux qui n'ont jamais marqué en Ligue 1, qui ont plus de 150 matchs. Et au début, je dis, attends, tu me prends pour la marionnette de France Football. Enfin, ils vont se moquer de moi. Enfin, ouais. Et il me dit, il me sort les noms. Il y avait des noms, il y avait Toulalan à l'époque, Planus, il y avait moi, je ne sais plus, mais des joueurs un peu cotés. Et donc, on a fait cet article tourné un peu à la rigolade, mais on était quelques-uns. Bon, ils ont marqué depuis. Hein. Mais pas toi. Il y avait eu une anecdote, une interview de Asue Koto quand il jouait à Tottenham. Il avait marqué contre Liverpool et à la fin du match, ils lui disent « Alors, quelle sensation ça fait d'avoir marqué votre premier but ?» Il a dit « Je suis content, je ne ferai pas comme Pat Barut qui n'a jamais marqué. Ouais. » Ouais. Quelque part, t'es de référence. Avant, on faisait une Adjovibokic, maintenant ouais, on fait... Mais contre ton camp, tu as marqué un peu ou pas? Jamais. Ouf. Heureusement. Ah, non, jamais. T'imagines le seul but que tu marques en Ligue 1, ça serait jamais. Contre ton camp, ça, non. Ça serait dur. Et puis, à la suite de ça, bon, tu finis ta carrière en Belgique, hein, du côté de Tournai, où là, tu marques quand même un but. Hein, ouais, je marque une frappe. De Tournai. Et puis, tu deviens... recruteur au Racing Club de Lens.
C'est du scouting. Ça. Comment ça s'est passé, ça? Eh bien, ça s'est passé... donc, je suis revenu habiter sur Lille. Et à Lens, on fait des matchs d'anciens tous les jeudis. Et ils me disent, bah, viens jouer, comme tu es dans la région, viens jouer. Donc, on joue un jeudi soir et après, on va au restaurant. Et lors du repas, il y a Eric Sikora qui est intronisé entraîneur. Et il a besoin de quelqu'un qui aille superviser l'adversaire. Et il dit, bon, je suis à la recherche. Et moi, je lui dis, bah, je suis là, je fais rien. Donc, il me dit, oui, mais tu n'as jamais fait ça. Bah, je lui dis, bah, toi non plus, tu n'as jamais coaché. Donc, il faut un début à tout. Donc, il me teste. Il me dit, écoute, tu vas faire un match ce week-end. Tu me fais ton rapport. Si j'aime bien, on te prend. Donc, tout match, ça va. Et Didier Sena, qui était directeur de la cellule, me dit, bah écoute, tu vas faire le... Parce qu'on est en Ligue 2, tu vas faire le vendredi, tu vas superviser l'adversaire. Et le samedi, dimanche, et les autres jours de la semaine, tu vas faire recruteur. Donc, je suis rentré comme ça et j'ai fait plus de 9 ans en tant que scout à Lens. Ouais, tu as connu diverses époques, hein, du côté du Racing Club de Lens, avec plusieurs directeurs sportifs, ouais. Eric Roy, mais aussi Florent Ghisolfi. Ouais, Flo, je l'ai rencontré, j'ai travaillé un an avec lui, un an avant le Covid. Il a repris le club qui était un peu mal en point, on va dire. On avait fait une mauvaise saison, il est revenu avec pas beaucoup de moyens et il a fait du super boulot comme les gens ont pu le voir. Super dans le recrutement, d'avoir choisi Franck Hez, sincèrement, il fallait le faire. Non, franchement, top. Et bravo à l'OGC Nice de l'avoir débauché. Je ne sais pas si on peut dire comme oui, ça, mais ça. De l'avoir débauché parce que sincèrement, là-dessus, c'est une bonne recrue. Ouais. Et aujourd'hui, tu es revenu sur Cannes, tu as donc plus de mission, entre guillemets. Non, aujourd'hui, j'ai plus de mission. Je suis sur Cannes parce que j'ai eu un petit garçon et ma femme est d'ici. Félicitations. Merci. Ouais. Mais je regarde beaucoup de matchs. Je regarde beaucoup de matchs. Je vais voir beaucoup de matchs aussi. Je reste actif quand même là-dessus en attendant une proposition. Alors, je me démène beaucoup. Je sollicite beaucoup de clubs, mais les places sont chères. Dans le recrutement. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'anciens qui font... Beaucoup d'anciens. Et puis comme vous avez pu le voir là, dans le Zap Gym, il y a beaucoup de jeunes. Il y a même des formations de scouts. Donc, oui, c'est plus réservé non seulement maintenant aux anciens dans les clubs, c'est aussi maintenant devenu une formation à part entière. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, et quand tu es recruteur, est-ce que tu as un bilan? C'est-à-dire que... Tu vas miser sur tel joueur qui ne va pas faire l'affaire, tout ça. Est-ce que toi aussi, tu es jugé? Parce que tu vas juger, mais est-ce que toi, après, je vais juger. Des comptes à rendre. Et, j'ai des comptes à rendre. Il si, ne faut pas se tromper, quoi. C'est voilà, ça. Du moins, il faut se tromper le moins possible. Quand vous êtes du directeur sportif au recruteur, quand vous recrutez 5-6 joueurs, il y a un pourcentage où vous pouvez vous tromper. Mais il faut qu'il soit minime. Donc oui, le recruteur et moi, j'avais des comptes à rendre à mon directeur sportif. Donc si je faisais mal mon travail, si je me trompais sur des rapports des joueurs, ouais, je pouvais me faire taper sur les doigts, quoi. Le joueur dont tu es le plus fier d'avoir pu mettre en valeur le profil, le joueur dont tu es le plus fier d'avoir révélé le talent. Celui dont on a été cherché. Ouais, vous avez été cherché à Lens, et toi notamment que tu as supervisé ou tu as dit à tes supérieurs, bah attention, là on a peut-être un joueur qui peut être intéressant. Et ben alors c'est un joueur qui... Alors il a fait une super saison à Lens, on est en Ligue 2 et on va le chercher en D1 belge. Ils étaient derniers, ils descendaient et c'était John Bostock, milieu de terrain. Et personne n'en voulait, enfin, il n'était pas trop sollicité. Et sincèrement, il m'avait tapé un peu dans l'œil à plusieurs reprises. Et donc, on l'a fait signer. J'ai beaucoup œuvré, c'est pas moi le décideur, mais j'ai poussé. Et il a fait une super saison et il avait été élu meilleur joueur de Ligue 2. Et après, il fait Toulouse, je crois. Il fait Toulouse où il part en Turquie, me semble-t-il. Et il reviendra après à Toulouse. Voilà, ou à l'inverse. Et il végétait dans les bas-fonds de la Belgique et sincèrement, c'était...
J'étais content. Après, on a fait quelques bons joueurs, mais on avait un peu un budget réduit. On était en Ligue 2 à Lens. Il y a eu la période Mamadov où il avait mis de l'argent. Ouais. Ensuite, il nous menait en bateau. Il ne mettait plus rien. Donc, on était encadré. Donc, c'était un peu système D dans le recrutement. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est plus intéressant que... C'est là où on se sent utile. Voilà, que d'être recruteur au PSG. Enfin, j'aimerais bien être recruteur au PSG, mais pour superviser Neymar, Messi ou Mbappé... On les supervise même pas, ces joueurs-là. C'est un peu plus facile, voilà. Donc, bien sûr. Ouais. Et quand on est latéral, on peut regarder un attaquant, un milieu offensif, il n'y a pas de souci, quoi. Ouais. Si vous regardez tous les postes, alors après, je l'avais dit clairement, enfin, il y a plein de scouts qui le disent, le poste de gardien de but, c'est un peu plus... plus spécialisé. Voilà, spécialisé, c'est... Voilà. Donc, après, on voit les grandes lignes, tout ça, mais après, on demande beaucoup conseils à l'entraîneur des gardiens quand on repère un gardien, voilà. Après, il y a juste une anecdote sur son parcours. Et ça me fait plaisir parce que c'est sur Internet, le dieu Internet et le dieu Wikipédia qui annonce qu'il a fait ses premiers pas de footballeur à Poitiers, là où il n'a jamais mis les pieds. Oui, on a lu ça dans l'excellent article d'Anthony Boyer d'ailleurs. Trésor foot, ça s'appelle. Trésor foot, l'incontournable Anthony Boyer, le grand, l'immense Anthony. Et c'est vrai que tu n'as jamais joué. Depuis tout le temps, je vois Poitiers, enfin même les gens me disent Poitiers, mais Poitiers, je sais où c'est parce qu'il y a le Futuroscope. mais non, sincèrement, je n'ai jamais mis les pieds à Poitiers. Je ne connais pas Poitiers, mais je suis né à Orléans et j'ai commencé. Et ça sera tout, tu vas rester avec ça, c'est-à-dire que pour tout le monde, tu auras commencé à Poitiers. On m'a dit que je pouvais peut-être l'enlever, mais bon. Mais ça, c'est une leçon pour ceux qui nous regardent. Pas croire tout ce qu'on voit sur Internet et surtout sur Wikipédia, parce que c'est n'importe qui écrit. Et oui, c'est collaboratif. Les gens peuvent modifier. Effectivement, mais c'est quand même Wikipédia qui m'a permis de savoir que tu avais marqué qu'un seul but dans ta carrière du côté du Real Madrid Club. Tiens, pour en finir avec ça, puisqu'on avait attaqué, raconte-nous ce but un peu. Parce que je suis Avec Lens. Ouais, c'est en Coupe d'Europe et c'était sous l'ère Francis Gillot et je tirais les coups francs. Voilà. Et oui, je tirais. Il n'y avait pas Jérôme Leroy sur ce match. Ouais. Et donc, je tire un coup franc. Et en fait, je fais un espèce. Je suis excentré. Je tire pour toucher. Que ça touche quelqu'un. Personne touche la balle. Donc, et le ballon va au fond. Voilà. C'est qu'il était bien frappé. C'était des Suédois. Je ne sais plus qui. bon, mais ce qui m'a fait bizarre, c'est quand le speaker a crié mon nom. C'est moi. Et tu te dis. Si je marque avant chaque match, je vais faire ça comme célébration. Mais non, mais j'étais pris de court, quoi. T'as pas fait ça? Non, mais ils m'ont tous sauté dessus. Ah, t'as marqué. Genre, t'as dû payer ton coup derrière, ça, c'est sûr. Il y a juste une petite, les petites questions incontournables que j'apprécie. C'est le plus fort avec qui tu as joué et le plus fort contre qui tu as joué. Bah alors avec qui j'ai joué à une grande époque de Lens, donc il y avait des top joueurs, mais pour moi il y en a un qui, allez un, deux, qui sort du lot, c'est Jérôme Leroy, c'est un génie, et Cyril Roll. Ah ouais? Ouais, alors Cyril, il dans était ici, ouais dans son style, mais Cyril il est aux yeux des gens, c'est le joueur rugueux, ténueux, violent. Mais le mec, il a une main à la place du pied, de son pied gauche. C'est un top joueur. Et à Nice, il n'a pas trop joué au milieu de terrain. Mais à Lens, il jouait arrière gauche. Il jouait milieu de terrain. Mais fou. Oui, c'est un bon joueur. C'est très régal. Bon le mec, c'est. Après, j'ai joué avec des Dakour, c'est Duketa, Hilton. Et puis au centre de formation de Cannes, t'en as eu un peu. Oui, voilà, aussi, il n'y avait pas de Vieira. Il y avait Mickey Marsiglia, qui était un génie du football aussi. Et l'adversaire, alors quand j'ai commencé, j'ai joué contre Rai, qui était monstrueux. Après, j'ai joué Ronaldinho aussi, qui était. Que des numéros 10 dans ta team. Et après, quand je jouais latéral, je me tapais des Ribéry. Tout ça, c'était. C'était costaud. Ouais.
Ouais. C'était pas mal, quoi. Bon, ouais. Super. Merci, Patrick, en tout cas, pour ces anecdotes. On va passer à l'avant-match de cette rencontre entre Le Havre-Nice, une équipe pour qui on a plutôt de la sympathie, hein, cette équipe du Havre, avec ce directeur sportif, Mathieu Bodmer, qu'on adore, Lucas Elsner, un niçois, fils de Marco Elsner, qui fait un excellent boulot du côté du Havre. Mais c'est pas pour autant qu'il faudra leur faire des cadeaux, oui. Aucun cadeau. Fils de l'inoubliable Marco Elsner. Oui, oui, oui. On pense à lui, fortement. Ceux qui l'ont connu pensent à lui. Ouais. Comme on dit, sur le terrain, il n'y a plus d'amis. non, parce que le OGC Nice a clairement deux matchs devant lui pour consolider cette deuxième place, ce qui serait très important en vue du mercato et de la deuxième partie de saison. On va y voir le classement en même temps que tu parles. Mais ça sera une rencontre très compliquée parce que j'avais notamment regardé Le Havre PSG et le remplaçant Donnarumma, le fameux Temas à la Tenas, avait fait un super match. C'est parce que Le Havre avait eu de nombreuses occasions. C'est une équipe joueuse, c'est une équipe qui ne ferme pas le jeu, qui est offensive, qui est audacieuse, qui tente beaucoup sa chance, qui frappe beaucoup au but. Donc je pense que Marcin Bulka sera sollicité ouais. Voilà, ça ne sera pas un match simple dans un stade qui est aussi quasiment plat à chaque match, le stade Océane. Il y a un gros défi. Certain Loris aussi. Et oui. Oui, Gauthier. Gauthier, le frère. Pardon, Hugo Lloris, qui joue dans cette défense centrale. Ça en fait, des histoires. Formé à l'OGC Nice, Christopher. Will l'a un peu dit, mais si Nice veut finir sur le podium, il y a Le Havre, il y a Lens, il faut prendre un minimum de 4 points, là. Ouais, 4 points, ça serait bien. Après, on voit que devant, ça marche fort. Paris carbure, ouais, Monaco Paris, est là aussi. Ouais, on a compris, Paris. Moi, j'aime bien ce petit match qui est en train de se dessiner entre Nice et Monaco. Ça me plaît bien, les voisins de la côte. À 2 points derrière, hein, Monaco. Ouais, ouais. On verra, écoute. Mais en tout cas, ouais, Le Havre, équipe dangereuse. Mais malgré tout, je pense que ce Nice-là est armé pour aller chercher un résultat là-bas. Ouais. Et 3 points, notamment. Bon, on va écouter Francesco Farioli à propos de l'adversaire de l'OGC Nice. C'est un adversaire qu'il connaît plutôt bien. Le Havre una squadra che conosco abbastanza bene perché. Alors, Le Havre est une équipe que je connais assez bien. L'an dernier, lors du mercato de janvier, un des joueurs que j'avais en Turquie était arrivé chez eux et j'avais suivi leur grand parcours et la montée en Ligue 1. Et ensuite, l'équipe s'est confirmée en Ligue 1 comme une équipe solide, qui concède très peu, une équipe qui impose son jeu, qui sait se présenter sur le terrain avec des organisations différentes, parfois une défense à 4, parfois une défense à 3. Il y aura plusieurs scénarios possibles dans ce match. C'est une équipe organisée qui a des idées claires sur ce qu'elle veut faire. Il va falloir y aller et aborder ce match au mieux. Voilà donc ce que pense Francesco Farioli de cette équipe du Havre. Un beau parcours, hein, Patrick, cette équipe du Havre en Ligue 1 pour son retour en Ligue 1. Ouais, un beau parcours. L'année dernière, ils ont survolé la Ligue 2. À la fin, bon, ils se sont un peu fait peur, mais bon, c'était grandement mérité cette montée. Et là, ils sont dans la continuité, comme tu dis, avec un très bon entraîneur qui fait du bon boulot. Mathieu Bodmer qui intelligemment a fait un super recrutement, donc bravo à eux. Et ça va pas être facile pour Nice samedi, quoi. Ouais, samedi soir, 21h du côté du stade Océane du Havre. Tu y seras, Mathieu? Oui, 17h. C'est pas 17h, excuse-moi, oui, pas 21h, 17h. Oui. Sinon, tu seras là-bas. Il reprogramme le match. Tu y seras. Oui, j'y serai, oui. Non, c'est bien. Ouais. Il y a des petits déplacements avant la trêve. En espérant que les supporters n'y soient aussi puissent y être. Eh oui, parce que pour l'instant, ils sont interdits par arrêté et ministériel et préfectoral. Mais ils ont un peu, porté ça devant le Conseil d'État. Bah, c'est encore l'Association nationale des supporters, surtout l'ANS, qui a porté ça devant le tribunal parce que le club, lui, ne l'a pas fait. Mais voilà, cette association l'a fait pour 3-4 matchs, dont Nice. Et vu jusqu'ici leur efficacité, puisque c'est encore eux qui ont fait autoriser les Sévillans à Lens en Ligue des Champions, je pense qu'il y aura une porte ouverte aussi pour les supporters niçois. Ouais, parce que rappelons l'arrêté. Du ministère disait comme Nancy, il y a une rivalité entre Nancy et Le Havre. Non, parce que les Niçois sont amis avec les Nancyens, les Nancyens sont amis avec les Rouennais, mais que les Rouennais sont ennemis des Havrais. Camoulox. Voilà. Le frère du père du cousin qui est. C'est là pour une fois, le Sénis a été bon. Son communiqué, la créativité débordante que peuvent avoir ses autorités et notamment le cabinet ministériel ils ont une belle créativité, mais au final, elle fait toujours pchit. Ouais, et oui, à la fin,
cassé. Bon, allez, c'est l'heure de la compo probable avec toi, mon cher Will. Allez, la compo probable de ce Le Havre-Nice, donc samedi 17h du côté du stade Océane. Toujours la belle agilité Philippe, de Will avec son micro. Bon, il n'y aura pas beaucoup de surprises, pas beaucoup de changements. Il y a des petites incertitudes qu'on va expliquer. Donc, Marcin Bulka, aucune inquiétude. Jordan Lotomba, qui devrait pouvoir reprendre sa place, on le verra pourquoi après. Todibo, Dante, Bar, ça c'est les indétrônables, les invincibles. Même si, petite info, Todibo ressent toujours sa petite douleur au quadri. Qu'il avait. Vivement que la trêve arrive. Oui, voilà, il va serrer les dents encore deux matchs, mais il va être bien content d'être en repos pendant la trêve. Au milieu de terrain, voilà, c'est que, bon, en absence de Kefren Thuram, et c'est Hicham Boudaoui qui, en fait, devait être titulaire contre Reims. Et la séance d'entraînement de veille de match, 10 minutes avant le début de l'entraînement, Francesco Farulli a dû modifier sa compo parce que Hicham Boudaoui ressentait des petites douleurs musculaires derrière la cuisse. C'est toujours un peu lié aussi à ce problème de dos. Et donc, je pense qu'avec deux matchs en 4-5 jours. Et surtout les suspensions. Et les suspensions combinées, enfin, la suspension de Youssouf combinée à la blessure de Kefren fera que cette fois peut-être Francesco Farioli misera sur Boudaoui au milieu de terrain. Donc je pense, nous pensons que Rosario reprendra sa place de 8 aux côtés de Youssouf et Morgan Sanson qui est lui aussi en ce moment dans une très bonne forme. C'est le milieu de terrain en forme d'ailleurs de cette période. Et tout devant, bon, ben là il n'y aura pas de surprise logiquement, c'est Mofi à droite, Laborde dans l'axe et Boga à gauche. Un trio qui a été récompensé face à Reims. Effectivement, par les buts de Laborde et Jérémy Boga. Voilà pour cette compo probable de l'OGC Nice en déplacement au Havre. Alors, comme vous le savez peut-être, il y a une actualité judiciaire assez chargée du côté de l'OGC Nice avec ce vendredi 15 décembre, la comparution devant le tribunal correctionnel de Nice de Christophe Galtier pour discrimination et harcèlement. Et puis lundi, il y aura bien la comparution, cette fois, de Youssef Attal, pareil, devant le tribunal correctionnel, après la vidéo qu'il avait relayée. Mon cher Philippe, quelles sont les dernières petites infos autour de ça, et en particulier peut-être autour du procès de Christophe Galtier qui sera très attendu et très médiatique? Oui, alors des infos, on n'en a pas beaucoup, si ce n'est que Christophe Galtier devrait bien être présent demain matin devant le tribunal correctionnel. Il n'y a pas eu de demande de renvoi, donc le procès devra avoir lieu demain matin. Après, je ne sais pas, mis à part Christophe Galtier et son avocat en face... Il y a beaucoup de parties civiles dans cette affaire-là. Voilà. Et je ne sais pas en face s'il y aura grand monde. C'est-à-dire que je ne pense pas que Julien Fournier vienne. Non, je pense pas. Alors, il est sur la liste des parties civiles, tout comme par exemple des joueurs comme Jean-Claire Todibo, comme Youssef Attal, comme Hicham Boudaoui, comme Frédéric Joria, comme l'ancien adjoint qui est du côté de Patrick Vieira maintenant. Donc, toutes ces personnes-là sont cité comme partie civile dans cette affaire, parce qu'on l'a dit, il est jugé pour discrimination et pour harcèlement. Et oui, il y a des choses un petit peu qui sont sorties dans la presse ces derniers jours, dans les PV d'audition des témoins niçois. Oui, malheureusement, c'est vraiment quelque chose, moi, ça me chagrine quand il y a ce genre d'auditions qui sont rendues publiques, médiatisées, parce qu'en fait, c'est pas fait pour ça, c'est à la justice qui doit utiliser ces propos-là. Et donc, je pense qu'en fait, certains acteurs étaient conscients de cette possibilité qu'un jour ça fuite, et donc se sont dit, on va pas se mouiller, nous. Et c'est pour ça qu'au final, dans ces auditions, il n'en ressort pas grand-chose, mis à part quelques propos donc de Hachim Ali Mbaye, qui était l'ancien analyste de l'OGC Nice, qui relate un jour où Christophe Galtier, lors de Nice-Saint-Étienne, aurait comparé la charnière centrale à deux King Kong. Et puis ensuite, qu'il lui aurait dit aussi un jour en sortant de la douche que les Algériens, c'était les pires au niveau de la rigueur pour le ramadan et leur religion. Et ensuite, il y a des propos de Frédéric Joria aussi qui sont rapportés. Je ne vais pas dire qu'on apprend grand-chose non plus.
Bon, c'est après le dossier qu'a sorti l'équipe, c'est quand même c'est costaud. Et c'est puis, costaud, c'est complet, et c'est encore une fois des PV d'audition. Voilà, je pense que bon, après, là, il y a quelqu'un qui s'est fait plaisir, quoi, et qui. Oui, qui a tout balancé. Ouais. Voilà, qui a tout balancé. Mais il faudra, pour après, les juges, établir effectivement la véracité de tous ces propos-là, et ce sera peut-être ça le plus difficile. On ne peut pas du tout savoir qu'est-ce qui va en sortir. Hein. Peut-être qu'on va être surpris, hein, mais. Et puis surtout, normalement, ça devrait pas faire. On devrait pas aller vers un grand moment de justice. Quoi. Non, parce qu'en plus, ce sont que des propos rapportés. Il n'y a aucun propos qui est enregistré, qui est vraiment dans la bouche de Christophe Galtier. Donc, même s'il y en a 10 des propos rapportés, c'est la parole de l'un contre l'autre. Et je pense que Christophe Galtier aura préparé sa défense. Et bon. Oui. Puis bon. Ça fera pchit, quoi. Il arrive du Qatar pour se défendre sur un procès. Qui flirte avec le racisme, bon, c'est un peu un fait singulier, quoi. Bon, en tous les cas, beaucoup de curiosité autour de ce procès, avec énormément de médias qui seront là. Oui, ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que certains confrères ont essayé de savoir aujourd'hui si à l'OGC Nice, ça préoccupait l'esprit de plusieurs joueurs. Il en est ressorti que non. Et en fait, de ce qu'on peut récolter, c'est que les joueurs, ils ont vécu le moment le plus difficile à l'heure où le dossier est sorti, quand vraiment c'est sorti sur la place publique, qu'il a fallu être auditionné aussi. Ça, c'était des moments compliqués pour les joueurs. Aujourd'hui, ça y est, c'est le procès, personne n'y sera demain. Bon, ça leur passe au-dessus et ils ont d'autres choses à faire. C'est une info importante que tu nous donnes là. Aucun membre de l'OGC Nice ne sera présent demain à l'audience. Non. Représenté par des avocats, peut-être ? S'ils sont partis civils, c'est la logique. C'est la logique. Mais physiquement, non. Ils iront pas au tribunal. Parce que donc, il n'y aura pas de confrontation, en gros, entre eux, Christophe Galtier et ceux qui auraient déclaré certaines choses. Rappelons que, quelque part aussi, c'est une volonté déjà impulsée par Ineos et le club qui, à l'époque, de ses problèmes en interne, n'avaient pas bougé. Avait laissé finir l'histoire. Christophe Galtier était parti à Paris et puis c'était fini. Et il a fallu ce mail qui fasse ressurgir cette affaire. Mais si ça tenait qu'à Ineos et à l'OGC Nice, on n'en serait jamais arrivé là. Un petit mot également, Christopher, sur le procès lui de Youssef Attal lundi, qui lui avait donc relayé une vidéo d'un prédicateur palestinien appelant à un jour noir pour les Juifs. Là, peut-être moins d'attente, mais peut-être tout aussi grave, hein, quand même, malgré tout. Ouais, c'est tout aussi grave. Après, je me souviens aussi des propos de Vincent sur ce plateau, qui disait que c'était une grosse erreur, mais qu'il ne fallait pas accabler le garçon, parce que peut-être que voilà, il n'a pas tout maîtrisé dans cette histoire-là, même si il est responsable de ce qu'il a fait, du relais de cette vidéo-là, mais il a peut-être manqué d'attention là-dessus. Après, c'est plus voilà, savoir quelle sera la fin de l'histoire, je pense, qu'attendent les supporters du gym, notamment où est-ce qu'il pourra rebondir, puisque, comme l'avait sorti Will, il ne portera plus le maillot de l'OGC Nice. C'est plus ça, je pense, que les gens attendent, de savoir où il rebondira, que cette erreur-là qui va lui coûter certainement une sanction ou pas, on verra, mais c'est plus ouais, l'avenir, quel sera son avenir qui va, je pense, cristalliser un peu l'attention des Niçois. Voilà, donc pour cette actualité judiciaire chargée du côté de l'OGC Nice, on reviendra la semaine prochaine dans cette émission, dans l'émission bilan de cette première partie de saison. C'est l'heure du cadeau de la semaine, on va jouer. Et à gagner cette semaine deux places pour le dernier match de l'année du côté de l'Allianz Riviera. Je veux bien sûr parler du Nice-Lens de mercredi à 21h, mercredi 21 à 21h du côté de l'Allianz Riviera. Alors déjà, vous dire qu'il faut venir nombreux à cette rencontre parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a un vrai objectif pour les Niçois de rester accrochés à cette deuxième place. Donc on invite tous les supporters du gym à faire ce dernier petit effort. On sait, c'est mercredi soir, il fait froid, c'est bientôt les vacances. Mais là, il faut se motiver pour y aller. Et puis, pour vous motiver encore plus, eh bien, on va donc vous faire gagner deux places. Il faut pronostiquer le score entre Le Havre et Nice ce week-end. Donner le nom des buteurs et le petit hashtag gymtonic. Donc deux places à gagner pour ce Nice-Lens. Et il faut battre l'autre club de Patrick, Lens. Ouais. Eh oui. Ouais, il faudra pas de cadeau à Patrick. Pas de cadeau contre Lens. C'est également sûr que maintenant, en plus, entre Nice et Lens, on se fait plus de cadeaux. Hein. Mercredi soir, il y a un petit peu de rivalité qui s'est créée entre ces deux clubs. C'est même allé sur le terrain judiciaire entre les deux clubs. Hein, depuis le départ de Flo Ranguisolfi et la tentative de faire venir
Thiel aussi. Le RC Lens avait entamé des procédures depuis. Et c'en est où ça d'ailleurs ? Je sais pas, mais en tout cas, on peut dire que les relations ne sont pas du tout au beau fixe. Et pour la petite anecdote, le petit dossier Romain Perrault avait un peu ravivé la rivalité, puisque le RC Lens, quand ils ont su que l'OGC Nice était quasi prêt de le faire, ils se sont jetés sur lui en espérant pouvoir le piquer à l'OGC Nice. C'est de bonne guerre. Ouais, c'est une bonne guerre. Quand il y a des joueurs comme ça, bon, on se pique les directeurs sportifs, on essaie de se piquer les recruteurs. Et les joueurs, c'est la rivalité. Et Laurent Bessière aussi, il ne faut pas oublier. Et Laurent Bessière, le directeur qui de la fait performance. Du super boulot. Ouais. Et ça, je crois que Lens, ils l'ont un peu... Oui, c'est peut-être même ça qu'ils ont... Ouais, voilà. Voilà. Limite l'épisode Thiel, tout ça, mais Bessière, ils l'ont mal pris. Ouais. Voilà. Bon, ouais, on suivra en tous les cas ce match avec attention mercredi soir du côté de l'Allianz Riviera. C'est l'heure du Souviens-toi avec la légende. Ah, la légende. On arrive enfin à la meilleure tu rubrique. Tu vas nous parler, Philippe, d'un Le Havre-Nice de avril 2002, c'est-à-dire quand l'OGC Nice était en Ligue 2 en et Ligue cherchait 2. À remonter en Ligue 1. Exactement. C'était donc le 6 avril 2002. Je me sers un peu de mes notes parce que bon, ma mémoire commence à s'égarer. C'était donc au stade Jules Deschazeaux. Il y avait 15 000 personnes, dont William. Ouais. Avec le parcage. Qui avait quel âge ? 17 ans. Tu pouvais te déplacer. 17 ans. Voilà, exactement. À Deschazeaux. J'avais un petit dégradé. Ouais. J'avais des cheveux et j'étais à Deschazeaux avec. Il avait les dreads. La populaire sud. Et des stadiers qui n'étaient pas des stadiers. C'était fantastique. D'accord. Ouais. Bon, nous raconteras peut-être cette anecdote après. Donc, c'était un match entre deux équipes qui jouaient la montée. Le Havre comme Nice. Bon, cette année-là, on était contents parce qu'il y avait quatre équipes qui montaient étaient en dispute pour monter Ajaccio, Le Havre, Strasbourg, Nice, Beauvais et Le Mans. Donc, ce match, je vous rappelle juste l'équipe de Nice, pour mémoire. Valenconi, derrière Varro, Pamaro, Angan, Evra. Au milieu, Pito, Rodriguez, puis Noguera, Tamazout, puis Berville, Olanier, le regretté Bibiche, Gagné, Aieli, puis Meslin. L'entraîneur, c'était Sandro Salvioni. Et alors, juste pour l'anecdote, raconter un peu ce déplacement, c'était l'époque de Cano, Cassone, Torola, qui avait repris le club et qui était en train de le faire remonter. Et j'étais envoyé spécial pour Nice Matin et j'étais avec Gernot Rohr à l'hôtel. Gernot, qui était à l'époque le directeur sportif. Et j'étais à l'hôtel avec Gernot, à l'hôtel des Niçois, l'après-midi. Et il y avait eu un défilé, mais surréaliste de gens. Alors on savait plus qui étaient des agents, des amis. L'entourage. Il y avait l'entourage, des forains. Il y avait des voitures noires, vitre teintées. Et je me souviens encore de la réflexion de Gernot Rohr qui m'avait dit, même sous Claude Bèze à Bordeaux, j'ai jamais vécu ça. Il était consterné. Ouais. Donc, on arrive au stade. Supporters niçois qui faisaient un bruit monstrueux, qui font péter deux bombes agricoles avant le coup d'envoi. Mais c'était... on était chez nous, quoi. Oui. Et c'est notre ami Bibi Cholanier qui avait ouvert la marque à la 32e. Il avait ouvert son pied. Et Nice menait 1-0. Jusqu'aux arrêts de jeu, hein, parce que 90 plus 2 ou 3, Le Sage qui avait égalisé, il avait battu Bruno Valenconi qui avait été excellent pendant tout le match. Et là, il s'était incliné. Je sais que Salvioni avait fait une crise parce qu'il avait vu main en amont de la frappe de Le Sage. Et il s'en était suivi. C'est-à-dire que quand il y avait 1-0 à la 90e, il y avait encore 1-0. Cano et Cassone qui étaient assis à côté en tribune présidentielle. Cassone était descendu. On l'avait vu parce que nous, on était la tribune de presse, on était collés, enfin pas loin. Et Cano était fou furieux de voir Cassone descendre et dépasser son rôle, quoi. Il était descendu, c'était pratiquement mis sur le terrain, sur le banc, et Auxerre avait égalisé. Le Havre. Le Havre avait égalisé.
Et dans le couloir qui mène au vestiaire, il y avait eu une altercation. Moi, j'ai toujours pensé que c'était plus que verbal. Ouais. Et bon, Cano m'avait dit non, c'est juste. Cano et Casson. Oui. Ah. Entre Cano et Casson. Moi, je pensais que vraiment. Il s'était bousculé, parce que Cano avait reproché à Casson d'être descendu, d'avoir porté le noir sur le but. Et le vestiaire niçois, mais c'était de la folie, quoi, ce soir-là. Je ne sais pas ce qui s'était passé, en fait. Et donc, la pression de la montée. Voilà, un partout. Et Nice avait gagné le match suivant. Contre Le Mans, je crois, non ? Ils avaient gagné le match suivant à Martigues. Ah, Martigues. Et puis après, ils battent... Le Mans, Istres. Ils battent Istres. Ouais. Pour la montée. Mmh. Donc, deux matchs après, ils étaient en Ligue 1. Mais bon, ce voyage au Havre, c'était... ça annonçait ce qui a un peu arrivé derrière. Je crois que même Cano avait arrêté les bus des supporters. Il était monté dans un bus pour parler. C'était ubuesque. On était en train de monter justement au Havre. Et d'un coup, il y a une Mercedes noire qui nous double. Et une main qui sort côté passager et qui demande au bus de sortir sur une aire de repos. Donc là, le noyau de la populaire avait remarqué que c'était Cano et Casson qui faisaient ça. Et donc, ils étaient sortis avec des longs manteaux noirs. Et ils étaient montés dans le bus et ils s'étaient présentés comme ça devant tout le monde sur une aire d'autoroute alors qu'on montait au Havre. Et pour parler des stadiers, ben, en fait, ce déplacement, il n'y avait pas de stadier. Donc, arrivé au Havre, déjà, il y a eu une grosse histoire. On s'est retrouvés tous parqués au pénalty. Il y avait un bar derrière le stade qui s'appelait le pénalty. Le bien nommé. Et donc là, je te laisse comprendre à quel point l'alcool a coulé à flot. Et en rentrant dans le stade, donc il n'y avait pas de stadier. Et là, c'est quelques anciens, des leaders de la brigade, qui ont mis une chasuble et qui sont allés faire les stadiers. Mmh. Et sauf que quand Bibiche, il a marqué, eh ben, les stadiers étaient à fond dessus avec Bibiche. Donc il y avait des stadiers qui fêtaient le but sur la pelouse. C'était complètement ubuesque ce déplacement. Bon. Il avait même fallu attendre Georges. Faut toujours attendre. Une heure et demie sur l'autoroute, le temps qu'il fatigue les flics et que les flics le libèrent. Allez, sors, allez, dégage. Ah, il avait encore fait parler de lui. Oui, il avait encore fait parler de lui, Georges. Tu te souviens de Georges, notre mascotte, Patrick, le supporter de l'OGC6 qui venait toujours avec ses chiens. Avec ses chiens, oui, au centre d'entraînement. Voilà, Georges, c'est lui, notre mascotte. T'as bien fait le stade, toi. Et on l'embrasse. Non, mais j'avais 17 ans. Pourtant, j'avais des cheveux, tout. J'avais la jeunesse, les cheveux, tout. Super anecdote. Il y avait Chimbonda. Pascal Chimbonda, Chimbonda. Le sage, par contre, a été magnifique. Diawara, Vencel dans la cage, Bertin, Teddy Bertin, Mansouri, Denef, qui était passé, Caviglia, Alain Caviglia, le sage. Non, ils avaient une belle équipe aussi, là. Bon, et ben super anecdote en tous les cas, et on imagine que ce sera peut-être un peu plus calme, quoique, on ne sait jamais. Non, ce sera plus calme. En retour d'un match entre Le Havre et Nice. Patrick, merci beaucoup en tous les cas d'avoir été sur notre plateau. Bah, merci à vous de m'avoir invité, c'était vraiment sympa. Bonne continuation à toi. On espère qu'un club fera appel à toi très prochainement pour évidemment exercer tes talents de recruteur. En tous les cas, on te le souhaite. On te souhaite de passer également de belles fêtes de fin d'année. Bah, merci à vous. Bonne fête aussi à vous et à tout le monde. Merci. Et puis après l'émission, on te fera tirer un pénalty à Christopher, qui est un très mauvais gardien de but parce qu'il ne voit rien. Voilà. Et comme ça, tu es sûr de marquer. Tu seras sûr de marquer. Messieurs, merci beaucoup. On se retrouve jeudi pour l'émission bilan de cette première partie de saison après le match contre Lens. Merci à Sophie Doncet, Philippe Bertini et Chloé Voirgard à la préparation et la réalisation de cette émission. On se retrouve donc jeudi. Bonne fin de semaine à tous. À la semaine prochaine. Bye bye.